La musique elle est en mode tout va bien, mais tout ne va pas bien du tout. Nous avons Gregson qui est mort, nous avons Lord Vendik qui se fait accuser de son meurtre, et nous on est en PLS parce qu'on ne sait pas quoi foutre. On a une affaire, Monsieur Vigil qui est absent, qui depuis la prison, sa femme n'est pas au courant qu'il travaille plus là-bas, ça fait 10 ans. Il a aidé le professeur à s'échapper, slash le père de Kazuma, slash un serial killer. C'est la full merde, c'est la full lose. Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Great Ace Attorney Chronicles. Est-ce que la full loose va continuer? On a à peine retrouvé Kazuma que c'est déjà un autre protagoniste qui crève. Génial. Maintenant, si Vendik c'est l'accusé, qui va être le procureur? Je mise ma piécette sur Kazuma qui était son assistant, mais ça pourrait être également le chef suprême de justice Strongheart directement. On verra bien, ou un autre procureur tout simplement. Trois petits points de Susato. Naruto, je dois quitter le plus vite possible pour commencer mes enquêtes. Évidemment, oui, moi aussi, je vais le faire. Je crois qu'il serait aidant si tu pouvais parler à Mister le Faucheur et voir ce que tu peux avoir comme information. Je suis sûr que tu avais l'intention de le faire de toute façon. Évidemment, on va aller... alors, à plus tard. À plus tard, alors. On va aller voir... Baroque, on va lui dire, on va être ton avocat. Inspecteur Gregson, mort. Lord Vendik, arrêté. Runo, Suzy. Je vous ai appelé un véhicule, il vous attend dehors. Merci beaucoup, Iris. On y va, Susato. Oui. Move. New location has been added. Fresno Street Room. Prison. La prison, la cellule de la prison, là où l'accusé, Lord Vendik, est maintenu captif. Il est silencieux. Non, c'est silencieux et la lumière de la bougie est faible. Mais il y a un petit espoir de s'endormir. On va aller voir Vendik. Hein. Il lit tranquillement, tout va bien. 1er novembre, le prison local, cellule numéro 1. Le voilà, Lord Vendik derrière les barreaux. Comment est-ce possible? Donc c'est vrai, il a vraiment été arrêté. Il attend ici, avec son dos contre le mur, en lisant quelque chose. Je ne crois pas qu'il nous ait remarqué. Lord Vendik. Coucou. Jolie rencontre que nous avons là. Enfin non, plutôt utile de vous voir ici. Le dernier endroit sur Terre où j'aimerais être avec la dernière personne sur Terre que j'aimerais voir. C'est pas vrai, Vendik. Attends, tu sais que tu peux nous faire confiance pour sortir, sortir de cette affaire. On a tous nos clients, pour le moment, on a 100% de réussite. Hein. J'aurais très bien pu ne pas venir. Nous avons entendu ce qui était arrivé, que l'inspecteur Gregson était... En effet, rentrez chez vous, ceci n'a rien à voir avec vous. Mais, au contraire, tout ceci a à voir avec nous. C'est lié avec le père de notre meilleur ami, l'inspecteur Gregson et toi. Excusez-moi Lord Vendik, mais je me dois de ne pas être d'accord. Bah oui, absolument. L'inspecteur Gregson... nous a été très utile à de nombreuses occasions. Nous sommes endettés envers lui, et le moins que nous puissions faire pour lui, c'est de trouver la vérité à propos de sa mort. Vous devez nous aider avec notre enquête, je vous prie. Il n'y a vraiment rien que je puisse vous dire. Qu'est-ce que vous étiez en train de lire au fond de la cellule, là? Est-ce que c'était quelque chose en rapport avec cette affaire? Ça? Ah, c'est une lettre. Le Yard n'est pas si cavalier de partager ses informations d'une affaire, des détails d'une affaire avec un suspect. Ceci est une lettre d'une vieille connaissance. Ah! Une lettre d'une vieille connaissance. Est-ce que ce ne serait pas un personnage que l'on connaît du nom de Genshin Asogi? Ouf!
peut-être de Dr. John H. Wilson, ou carrément de Miko Toba. Ah, et qui cela puisse, peut-il bien être? Quelqu'un que vous connaissez, il semblerait. Albert Airbrain. Ah bah non, du coup, Albert Airbrain, son ami de l'affaire précédente. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? C'est plus logique. Évidemment, oui. J'oublie que ces deux-là étaient à la même université. Oui, en effet, moi aussi. Et j'aimerais lire ma lettre en paix. Donc, finissons-en avec ça, d'accord? Ok. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Étrange. Je veux dire, soyons clairs, Lord Van Zyck ne mâche jamais ses mots. Mais il semble avoir moins de férocité que habituellement. Tan-lan-lan-lan-lan. On va conversater, évidemment. Conversaton. Pouvez-vous au moins nous dire votre version de l'histoire, Lord Van Zyck? Qu'est-il arrivé? Combien en savez-vous déjà? Absolument rien. Nous savons que l'inspecteur a été tué dans une petite chambre louée de la rue Fresno. Et que vous avez été découvert là-bas par la police lorsqu'ils sont arrivés sur la scène et vous ont immédiatement arrêté. Nous avons été dit qu'il n'y avait personne d'autre dans la pièce et que des témoins avaient entendu le tir de pistolet. Vous êtes donc très bien informé. Et il n'y a pas grand chose de plus à ajouter. La vérité, c'est que je ne sais pas ce qui est arrivé moi-même. Est-ce que tu ne cacherais pas des choses? On est d'accord que le bon Miles Edgeworth / Benjamin Hunter nous a fait le même coup. Il sait pas ce qu'il avait. Je vous invite à aller jouer au jeu, parce que j'ai pas fait la trilogie sur la chaîne. Je la ferai un jour peut-être, mais là c'est encore trop frais dans ma tête pour refaire les enquêtes. Mais c'est un très bon jeu, la trilogie, évidemment. Et du coup, dans un des jeux, je ne sais plus lequel, nous avons Miles Edgeworth qui s'est fait arrêter pour meurtre, et il nous disait pareil, je sais pas ce qui t'est arrivé, blablabla, alors qu'en fait il le savait très bien. Mais le tir de pistolet, évidemment, vous n'avez pas tiré du avec, n'est-ce pas? Je n'ai pas pour habitude de tirer sur les gens avec qui je travaille. J'ai également entendu le bruit, cela dit. Cependant, avant que j'aie une chance d'enquêter, j'ai été appréhendé par les officiers qui arrivaient. Donc, il ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Si je peux me demander, qu'est-ce que vous faisiez là-bas pour commencer? Je n'ai pas besoin de répondre à ça. Ben si, mais réponds-nous! Est-ce que tu veux qu'on soit ton avocat? Il veut se défendre tout seul, peut-être. Mais il a besoin de nous. Après tout, vous ne me représentez pas. Ah, ben voilà. La question se pose. Il va avoir besoin d'un avocat, cela dit. Votre défense. Ah, bonjour. Est-ce que l'on peut être ton avocat de la défense? Qui va vous représenter à la cour, Lord Van Zyck? Il va vouloir se représenter lui-même. Quiconque autre que vous, j'imagine. Comment ça? Mais il n'y a que nous qui va bien vouloir de toi. Ah. Super. Est-ce que j'aurais raison à demander que vous n'avez pour le moment aucun représentant? Les avocats de la défense ont peur d'être impliqués dans un procès avec le faucheur. Je suis sûr que vous le savez. Eh bien oui, mais il n'y a que nous qui on s'en fout. Mais c'est différent. Dans ma carrière, tous les accusés du coup que j'ai poursuivis ont seulement 19 d'entre eux ont été acquittés. Parmi eux, 16 sont morts dans de mystérieuses circonstances par la suite. Des questions vont se poser maintenant. Oui, et sachant que parmi ces 19 qui ont été acquittés, on a acquitté combien, nous?
On a fait, je dirais, 4 dans le premier jeu. Et 3 pour le moment dans le second. Donc on a fait 8. Ah non, la deuxième affaire, il n'y avait pas de trial. Il n'y avait pas de procès. La première, on était au Japon, donc c'est 3 seulement. 3 affaires, plus la première, il n'y en avait pas non plus dans ce jeu. Là, c'est la quatrième, donc on a fait 2 de plus. Donc ça fait 5. Il y en a 5 qu'on a acquittées en procès avec Vanzik sur les 10, sur les 19. Et parmi elles, 3 ne sont pas mortes. Ce qui est pas mal. On a un bon ratio de kill death. Certainement pas. Je vous assure, aucun avocat de la défense ne va vouloir ne serait-ce que me toucher avec un bâton. Okay. Mais vous n'aviez absolument rien à voir avec la mort de ces personnes, n'est-ce pas? Dit-il pas très confiant dans la question. Cela fait 10 ans maintenant que je suis connu en tant que le faucheur du Bailey. Croyez-moi, personne ne veut connaître la vraie identité du tueur plus que moi. Cela dit, il semble que les choses... se termine avant que je ne puisse avoir la chance de découvrir la vérité à propos de ça. Ben non, pas du tout. On va te sauver. Alors, ma théorie, c'est que c'est le professeur. Il y a trop de connexions, là. Alors, soit c'est le professeur qui, du coup, il fait en sorte que Vanzik se fasse... Vous voyez, je sais pas, parce que c'est Vanzik qui était le procureur à l'époque, donc c'est peut-être, il a peut-être une dent contre lui. Donc, est-ce que le père d'Asugi n'est pas mort? Ça paraît peu probable, mais c'est forcément en rapport avec ça. Parce que c'est autour de Vanzik quand même. Donc bon, trêve de théorie, on va découvrir le reste. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Il croit qu'il va être condamné à mort, c'est ça? T'inquiète pas. Après le procès, le professeur Airbrain était supposé retourner en Allemagne. Je pensais. Cette lettre m'informe qu'il est arrivé en sécurité chez lui. J'ai arrangé son voyage par la mer et les rails. Enfin, et le train, quoi. C'est un soulagement, je dois dire. Il doit être maintenant en dehors de la portée du faucheur. Parce que le faucheur ne suit pas les gens. Quand ils partent, c'est ça? Vous voulez dire? Oui, il semblerait. Votre petit ami japonais, par exemple, m'avait dit qu'il était bien vivant au Japon quand je vous ai rencontré la dernière fois. Oui, c'est cela. Il est un auteur maintenant, travaillant avec joie à Tokyo. Donc le professeur Airbrain est en sécurité de retour en Allemagne maintenant. C'est le cas. On sait déjà ça en moins. Est-ce que tu veux être... Du coup, vu qu'aucun avocat ne veut bien t'accepter, tu veux bien être m'accepter en tant que avocat de la défense? Donc il semblerait que notre conversation s'épuise. Il y a eu un silence de 2 secondes, c'est tout. En effet. Eh bien, de toute façon, si vous voulez bien m'excuser, je ne voudrais pas vous retenir. Je me demandais, Lord Vanzik, si vous aimeriez, je serais ravi d'être votre avocat. Point d'exclamation. Vous me faites confiance, n'est-ce pas? Oui. Et je vous ai entendu parler de nombreuses fois en salle d'audience. J'ai vu comment vous traitez les gens. Et je suis plutôt sûr que vous ne prendriez jamais la vie de quelqu'un d'autre. C'est juste mes sentiments qui ne peuvent pas être. C'est juste. Mes sentiments ne peuvent pas être utilisés en tant que preuve à la salle d'audience, dans une salle de loi, de justice, malheureusement. C'est une offre très gracieuse, cela dit. Je ne fais confiance à personne. Comment ça? Que quoi?
pas la police, pas le système judiciaire et pas vous, les Japonais. Oui, alors, quand même, on a un historique. Mais, s'il te plaît, Van Dyck. N'ai aucune intention de faire appel à vos services. Ah. La distance entre nous semble être trop large et profonde, il semblerait. J'apprécierais si vous ne me rendiez pas visite à nouveau. Comme ça, aucun d'entre vous ne me ferait perdre mon temps. Enfin, plus de mon temps. Mais... T'as pas besoin d'être désagréable? Peut-être que nous devrions creuser un peu plus. Absolument. Et en trouver un peu plus à propos de Lord Van Dyck et de ce qui est arrivé à l'inspecteur Gregson. Tout à fait. On va aller sur la scène du crime. Très probablement qu'il va falloir qu'on lui montre quelque chose en mode « Haha, paf ! En fait, on a besoin de toi. Fais-nous confiance. » Enfin, tu as besoin de nous. On n'a pas besoin de toi. Enfin, un peu, mais... Tu as besoin de nous. 1er novembre. Chambre dans sur la Fresno Street. La rue Fresno. C'est une zone très reculée de Londres. Je doute que beaucoup de personnes trouvent leur chemin jusque-là. C'est donc ici, dans cette location pleine de poussière et défoncée, que c'est arrivé. Donc c'est là où ce pauvre inspecteur Gregson a perdu la vie. Oui, et la police est déjà en train d'enquêter, il semblerait. Qui est l'enquêteur en chef, du coup? Je ne vois pas Mr. Sholmes quelque part, cela dit. Peut-être que ces enquêtes l'ont amené quelque part ailleurs. Enfin, autre part. Eh oh, qu'est-ce que vous pensez que vous faites là? Ah, c'est Gina. Everyone of them rovers is gonna be taken right as you can look underneath and all. Alors chacun de ces dessins du coup vont vous être pris afin que nous puissions regarder dessous, chacun d'eux. Je veux l'espace sur le plafond, que sur le plafond soit vérifié et n'oubliez pas de regarder à l'intérieur de la cheminée. Allez, on se bouge. And you're not never gonna over an house looking for door when the owners are out of town. Ok. Et aucun d'entre vous n'a essayé de fouiller une maison quand les propriétaires n'y sont pas. oui. Gina a évidemment des techniques assez uniques d'enquête qu'elle veut que tout le monde adopte. Donc vous êtes enfin venu. Je vous en prie. Ça ne fait pas. Enfin, ne vous inquiétez pas, ça fait pas longtemps que je suis là non plus. Bonjour à nous. Ouais, ben non. Alors pas bonjour. Salut à nouveau, Gina. Pas dire bonjour parce que non. Sholmes vient à peine de partir. Vous êtes chanceux d'avoir loupé ça. Il était ici à pointer par là. Regardez ici. Retournez ça et tout ce genre de choses. Ah, il a arrêté son enquête déjà, tu veux dire? Oui. Il ne s'est pas arrêté et n'a rien dit à personne, même pas à moi. Gina, est-ce que ça te dérangerait si nous enquêtons également? Écoute, Odo. Tu es un avocat, ok? Oui. Pourquoi? Eh bien, à essayer d'aider ce gars le faucheur, n'est-ce pas? Ah, pauvre Gina. Bah non, je cherche pas particulièrement à l'aider, je cherche juste à vérifier s'il est coupable ou non. Elle ne va jamais l'oublier, n'est-ce pas?
C'est un procès qui va la hanter pour toute sa vie. Absolument. Et Gina, ne te dérange pas que je le dise, si Lord Vanzi, qui est vraiment responsable de ce crime, il sera promptement et justement jugé à la cour. Je suppose que tu as raison, oui. Alors, vas-y, Odo. Va enquêter. Je veux savoir la vérité à propos de ce qui est vraiment arrivé ici. Merci, Gina. Mais il n'y a pas d'autres... Il n'y a pas d'autres détectives. C'est vraiment Gina qui est en chef, là. Non, ça peut pas fonctionner. Pourquoi il y a une perruque? Il y a un truc plein de sang. La vitre est cassée. Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu regardes le pistolet? Pourquoi tu regardes ça? Il y a un cadre ici. Oh, c'est une photographie. Je suppose que ça doit être une photo de l'un des membres de la famille de l'inspecteur Jackson. Bah non, il habite pas là. Ah, bah non, pas du tout. Pourquoi ce serait... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Tes yeux semblent vouloir sortir de ta tête. C'est le cas. Regarde, Naruto. Vite. Ah. Pourquoi j'ai un sentiment que cette femme est familière? Bah c'est la femme de Mr. Vigil. Évidemment qu'elle est familière. Nous l'avons rencontrée seulement ce matin. C'est Mrs. Vigil. La femme de Monsieur Vigil, c'est Mrs. Vigil. Quel con. Mais ça ne fait aucun sens. Pourquoi y aurait-il une photo de Mrs. Vigil ici? C'est forcément que c'était connecté, hein. Pourquoi tu pensais que ce serait relié à Gregson? C'est pas sa maison aussi. Pour être franc, je ne crois pas avoir été plus que ça choqué. Je suis désolé de le dire, mais je n'en ai aucune idée non plus. Quelle photographie de Mrs. Vigil dans ses jeunes années? On a des cadres retournés ici. On va regarder la cheminée. Une cheminée vide rend la pièce encore plus froide qu'elle le serait autrement, n'est-ce pas? Mais surtout qu'il y a eu un meurtre dedans. Elle est remplie de poussière, cela dit. Il semblerait que ce soit bon de dire qu'elle n'a pas été utilisée depuis un bon moment. En d'autres termes, quiconque habitait ici devait être extrêmement frigorifié dans le froid de l'hiver, où personne ne vivait ici du tout et a simplement visité cela quand l'occasion se présentait. Je n'aimerais pas dire ce que je crois être le plus probable. Alors, il est possible que ce soit l'ancienne maison de Mr. Vigil et Mrs. Vigil. À l'époque, donc d'il y a 10 ans, à l'affaire du professeur, et qu'ils étaient en train d'enquêter dessus, Gregson et Van Dyck, et qu'ils ont été tués parce que... Enfin, qu'il a été tué, Gregson, parce qu'ils avaient trouvé quelque chose, mais pourquoi Gregson en particulier? Il est forcément connecté à l'affaire du professeur Gregson à l'époque. Est-ce que c'est lui qui l'avait arrêté? C'est compliqué. Forcément connecté. Bref. On verra bien. Tu as raison. C'est l'un ou l'autre. Ok. Il n'y a rien là. On va parler ici. On verra ça après. Je vais vérifier que j'oublie rien. Allez, hop. Ça semble être une sorte de... De quoi? De panneau d'enquête. Quelque chose du genre. Et c'est absolument recouvert de bouts de papier. Ah, Naruto, regarde. Enfin, Ryonosuke. Ça, tu veux dire, c'est un rapport d'autopsie, n'est-ce pas? Et ce sont les affaires des notes ici. Et les détails des détenus en prison. Oui, en fait, il y a toutes sortes de documents que seul un détective pourrait normalement acquérir. Pourquoi
Que s'est-il passé pour que ça arrive ici dans cette pièce? Bah, c'est peut-être une chambre d'enquête de Gregson. Et des vieilles coupures de journaux. Ah, regarde celle-là. Oui, c'est une publicité, je veux dire. Pour la Red Headed League. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça a à faire ici? Il y avait une perruque de cheveux rouges. Hein. Quiconque occupait cette pièce était clairement intéressé dans ça pour une raison ou une autre. La Red Dead League, tout est connecté. Depuis que nous sommes arrivés ici, je ne peux pas enlever mes yeux d'une chose. Ah, aussi drôle que ça puisse être, moi non plus. C'est une perruque, n'est-ce pas? C'est le cas. Une perruque d'un rouge clair. Et je suppose que ce fait, qui est juste à côté de là où le corps a été trouvé, veut dire que nous devons accepter que l'inspecteur Gregson porte des perruques, n'est-ce pas? Et d'une telle couleur rouge également. Oui. C'est une couleur que nous avons récemment été confrontés ailleurs, n'est-ce pas? Exactement. Pourquoi ça serait Gregson qui l'ait porté? Ça peut être quelqu'un d'autre. C'est un indice vital, j'en suis sûr. Flame, donc le truc, elle appartenait présumément à l'inspecteur Gregson. Ça, j'y crois pas une seconde. Il y a la marque du corps. Il y a le chandelier également. Donc je suppose que c'est là qu'était la victime. C'est cela. La corde est posée autour du corps pour montrer exactement comment il a été trouvé. Pauvre inspecteur Gregson. Oui, le pauvre inspecteur Gregson lui-même a déjà été enlevé. Enfin, amené probablement pour une autopsie. Il serait probablement sous le scalpel du docteur 6 si ce n'était pas parce que si ce qui était arrivé la semaine dernière ne s'était pas déroulé. Évidemment, puisque a priori elle n'est plus là. Hein. Et de la forme de la corde, il était en boule, PLS. Il semblerait que l'inspecteur était enroulé en boule. Plié en boule, tout à fait. Probablement de douleur, quelque chose du genre. Est-ce que tout va bien, Naruto? Il semblerait que tu as vu un fantôme. Ça nous rappelle l'affaire de Kazuma, probablement. Je sais que c'est juste une corde, mais eh bien, cela décrit une image plutôt terrifiante, c'est tout. Spécialement avec cette tache de sang à côté. Bah, il y a de quoi quand même un petit peu avoir des frissons. C'était Gregson qui se tenait là, quoi. Ah, je comprends. D'une façon ou d'une autre, ce que nous voyons dans dans nos esprits ne peut pas être pire que la réalité. Susato est très forte, cela dit. Elle prend cette affaire beaucoup mieux que moi. Alors peut-être qu'elle le prend pas beaucoup mieux, mais qu'elle le montre beaucoup moins. Je sais pas. Faire attention à ça. On a ça, une mascotte de la police probablement. Le pistolet, on va parler aux flics. Et on a également le chandelier et les bouts de verre. Je crois que c'est à peu près tout. Je dis ça parce qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouvera donc dans le prochain pour la suite, découvrir le reste de l'affaire, de l'enquête. Évidemment, le rebondissement a eu lieu pour nous redonner envie de jouer. Parce que je vous avoue que les premiers chapitres, c'était en mode, bon, c'est bien gentil, la Ligue des Cheveux Rouges et les conneries de Mr. Sholmes, mais c'est un peu chiant. Et puis là, ben non, en fait. Là, c'est juste... C'est triste, et on a envie d'en savoir plus. Et on en saura plus. Ce sera la semaine prochaine, je pense, malheureusement. À moins que j'ai eu le temps d'en tourner un de plus cette semaine. Mais non. Peu probable. Je réalise que c'est le 200e épisode de la série. J'ai absolument fait aucune annonce. Aucune... euphorie dessus. Moi, j'étais lancé comme ça, dans mon épisode, tranquille. Je peux pas m'arrêter à 29 minutes pour un épisode 200, quand même. C'est pas possible.
On va pas s'arrêter là, du coup. Si c'est l'épisode 200, on se fait un petit quart d'heure de plus. Ça vous va? Ça vous va forcément. Allez, un petit quart d'heure de plus. On va faire le chandelier. Ta-la-ta-ta-la-la-ta-la-la. L'inspecteur Gregson est mort. La musique qui ne va pas du tout avec l'ambiance. Sérieusement, c'est pas ça là qu'il faut. Alors, le haut de ses bougies, de l'une de ses bougies, est dans ce chandelier, est plus haute. Elle était complètement éteinte. C'est, je sais plus. Ouais, ok. Oui, il y a donc de la cire qui est étalée sur le mur derrière. Ah bon? Je suppose que si une balle devait le frapper, il semblerait que la balle ait touché la cire, enfin la bougie. Ah d'accord. En ayant d'abord traversé le corps de l'inspecteur. Donc la balle serait là-bas du coup. Ah. Maintenant, cette cire sur le mur semble être du sang. Ah. Ok, donc le chandelier a été ajouté. Est-ce qu'on peut aller voir le chandelier en détail? Oui. Donc, il était accroché au mur. Pourquoi cette bougie était plus haute? Qu'est-ce qu'on a là? Ah! Il y a des marques noires ici. Regarde. Oui, il semble que c'est une sorte de marque de brûlure. Peut-être que la balle a frappé la bougie ici, tu penses? C'est la seule bougie qui est cassée en deux, il semblerait. Oui, je crois que tu dois avoir raison. Les pistolets sont rarement utilisés par les criminels japonais. Donc j'ai bien peur que je ne suis pas particulièrement familière avec eux. Ok, donc il n'y a pas plus de... Il n'y a pas d'infos, il n'y a pas la balle dedans ou quoi que ce soit. On va voir la vitre cassée. Quelqu'un a mis ses morceaux de bois de manière hasardeuse devant les bouts de verre cassés, n'est-ce pas? Oui, on peut plus trop l'appeler une fenêtre désormais. Eh bien, si tu te rappelles des fenêtres dans l'appartement de Mr. Natsume, qui étaient totalement bloquées avec des briques, celle-ci semble laisser au moins un petit peu de lumière. Dire. Tu ne peux rien en dire de plus. Oui. oui, je commence à me sentir encore plus désolé pour Mr. Natsume maintenant. Mais c'est surtout qu'elles sont cassées. Là, le froid caillante. Hein. Qu'est-ce que tu nous dis, monsieur le policier? Excusez-moi. Si vous cherchez. If you're looking down on us from the great beyond, inspecteur, donc ok. Si vous regardez sur nous depuis l'afterlife, hein, depuis le paradis, inspecteur, ne vous inquiétez pas, nous prendrons les choses en main au yard. J'ai interrompu des pensées profondes ici. Non, pas du tout. Il s'excuse de rien glander envers l'inspecteur mort en disant si tu nous regardes, je fais mon boulot, mais au yard. Qu'est-ce que c'est que donc? Il semblerait que ce soit un petit modèle de policier. C'est plutôt charmant, n'est-ce pas? Enfin, d'une certaine façon. En le voyant là sur le sol, tu crois qu'il appartenait à l'inspecteur Gregson? C'est un peu difficile d'imaginer Lord Van Zee qui s'amusait avec quelque chose du genre. Ça fait seulement 8 cm de haut. Il aurait pu tomber d'une poche de quelqu'un, je suppose. Je crois que nous devrions l'enregistrer en tant que preuve, juste au cas où. Oui, je suis d'accord. C'est plutôt ravissant de toute façon. Enfin, d'une certaine façon. Tu l'as déjà dit. Une petite figurine du policier. On va aller voir le pistolet. C'est présumément l'arme du crime, alors. Ah, il est vrai, je suppose. Bah oui, c'est probablement. Je crois que oui. Les pistolets sont rares au Japon. Et je n'en sais que très peu à propos d'eux. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir pour sûr, Naruto. Tire un coup, mais non. Mais non.
si je faisais ça. Je serais en train de chercher un avocat talentueux pour me représenter à la cour, bah oui. Un peu plus judicieux de demander à quelqu'un qui pourrait le savoir, je crois. Le pistolet du tueur a été ajouté à la salle d'audience. Enfin, la salle de. Pas la salle d'audience, là. Au rapport. Au dossier de l'affaire, voilà. Excusez-moi. Désolé, monsieur. Je ne peux pas. Je ne peux rien voir, monsieur. Ça fait trop d'années. Non, il y a trop de larmes, pardon. Comme Zelda. Sad. S'il me bute Zelda dans Tears of the Kingdom, mais je vais. Je vais vraiment mourir par contre. Hein. Parce que là, c'est Gregson. C'est triste, mais c'est Gregson, on peut s'en remettre. Kazuma, on a mis du temps. Il n'est pas mort, donc c'est bon. Vanzik, on pleurerait toutes nos larmes. Suzato, on arrête de jouer. Et puis voilà. Je pense que c'est pas mal. On a fait le tour. Mais Zelda, en Tears of the Kingdom, si elle crève, elle peut pas mourir, parce que c'est la Deicidia, tout ça, mais quand même. Quand bien même. Bref. Oui, je vais vous laisser travailler alors. Travailler en chialant, bien sûr. Ça a l'air de fonctionner. Et vous, vous apportez rien? Excusez-moi. Ah, inspecteur. Non. Oh, monsieur. Pauvre homme. Oui, il ne peut pas possiblement se concentrer sur l'enquête quand il est si contrarié. Ah bah, il semblerait que nous ayons une belle brochette d'incapables. Heureusement qu'ils sont là. Ta-la-ta-la-ta-la. Mais on va parler à Gina, du coup, je pense. Inspecteur Gregson. Gina, qu'est-ce que faisait l'inspecteur Gregson ici, en premier lieu? Mais c'est ce que j'essaye de savoir. Ok, ça fait quoi? À moitié d'un an que je suis sorti des rues. C'est quand j'ai décidé... de laisser tomber le vol et de devenir une enquêtrice à la place. Ah oui. Mr. Shones a tordu le bras de l'inspecteur pour accepter de vous prendre en tant qu'apprenti, n'est-ce pas? Enfin, tordu le bras, il a forcé la main, quoi. Quelque chose du genre, je crois. De toute façon, mon point est que je ne connaissais pas beaucoup du boss jusqu'à maintenant. Mais il semble que il était un petit peu une légende au yard. Monté divine, vraiment. Ils disent qu'il réussissait à résoudre les plus difficiles des affaires, juste comme ça. Ah bon? C'est le cas? Oui. Et depuis... Et depuis lors, il a résolu plutôt beaucoup d'affaires et d'enquêtes, tout genre d'enquêtes, mais toujours à sa façon, ou tout seul. Personne d'autre au Yard ne connaît la moitié des affaires qu'il travaillait apparemment. Il n'est pas censé travailler comme ça, n'est-ce pas? Mais donc, qu'est-ce que faisait l'inspecteur légendaire dans une petite pièce comme celle-là? Petite pièce pourrie comme celle-là. Je sais qu'il avait beaucoup de respect pour le faucheur et tout, mais regarde où ça l'a mené. Du respect pour le faucheur, de quelle façon? Je l'ai entendu dire autant. Je tire mon chapeau à cet homme, c'était ses mots. Ce n'est pas du genre... Est-ce que le public en général ressent, n'est-ce pas? La plupart des gens sont terrifiés du faucheur. Oui. Le boss a dit que c'était exactement pourquoi il a respecté ce gars. Ok. Je n'avais pas réalisé que Gregson gardait le faucheur en une si haute estime. Il m'a dit quelque chose d'autre également. Que je ne devais pas m'inquiéter à propos du faucheur. Parce qu'il n'allait après les gens, il n'allait seulement après les gens qui étaient mauvais. Ça m'a en effet allégé mon esprit de savoir quand il m'a dit ça. C'est vrai que donc du coup c'est Gina, Natsume et Airbrain qui est pas mort pour le moment. Et c'est qui le 4? Il y en avait un autre, non? Non, c'est tout, hein. Je crois que c'est tout.
Bien. Ok, bon cette fois on va s'arrêter pour cet épisode. Vous aurez eu 10 minutes de plus parce que c'est l'épisode 200 de la série. Il nous reste encore pas mal de choses à faire dans le jeu, évidemment ce quatrième chapitre, le cinquième qui suivra derrière. On va arriver aux alentours des 240, 250 peut-être épisodes, quelque chose du genre. Peut-être pas autant quand même. 220, 230, non, deux. Combien d'épisodes sur celui-ci encore, pour ce chapitre? Une vingtaine? Ouais, une vingtaine, 40, 240, quelque chose comme ça, je pense. Je sais pas trop. On a fait 200 épisodes pour 8 affaires. On fait 50 épisodes pour... 4 affaires? Non, 2 affaires. 50 épisodes pour 2 affaires, hein. C'est à peu près ça, hein. C'est à peu près ça. Donc ouais, 250 épisodes, ça me paraît ok. Bref. Épisode 200, ça fait longtemps. 200 épisodes en moins d'un an. Non, en plus d'un an, presque... C'était en 2021 que ça a commencé, cette série. Quelque chose comme août 2021. Ouais, donc en presque 2 ans. Je pense qu'on aura fini le jeu d'ici 2 ans, j'espère. On verra. On verra. En tout cas, pour le moment, il n'y aura que 2 épisodes cette semaine. Il n'y en aura probablement que 2 la semaine prochaine également. Et puis ensuite, par contre, j'essaierai d'en faire plus dès que je pourrai. Mais ça va dépendre de mes temps de tournage possibles. On va s'arrêter là donc pour cet épisode. On se retrouve la prochaine fois pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Et à la prochaine.